sait pas encore, monsieur. Thank you.
Bonsoir à tous. Tout d'abord, nous vous remercions d'être venus et nous souhaitons que vous passerez une bonne soirée en assistant à la représentation de la lycéenne, un vaudeville opérette écrit par Fédo et Gaston Serpette. Donc nous nous retrouvons à la fin du spectacle et puis nous vous souhaitons une bonne soirée. Sigueu benvinguts. Us recordem la necessitat d'apagar els mòbils i la prohibició d'enregistrar l'espectacle i de fer fotografies amb flash i sense. També us demanem que respecteu les indicacions que us detallem a continuació referent a les mesures de seguretat i distanciament social que s'han de prendre per evitar contagis. Heu de portar la mascareta posada en tot moment. No es permeten els canvis de butaca un cop s'hagi fet l'acomodació i fins al final de l'espectacle. El personal de la sala us indicarà com fer la sortida per evitar aglomeracions. La sortida es farà de forma ordenada per files. No sortiu fins que el personal de sala no us ho demani. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i esperem que gaudiu de l'espectacle.
chaste et belle enfant, apporte à ton époux ta candeur virginale et ton amour jaloux. Et toi, l'époux, tu sais, plus de batifolage. Adieu la courtisane après le mariage. Il en est temps encore, mais il faut y penser. Après la noce, on ne peut plus nocer. Bravo, bravo, bravo. Et toi, sèche ta larme, ô mère de famille. Ne vas pas-tu pleurer d'avoir casé ta fille? Tu peux avoir gros cœur de la quitter si tôt. Mais le mal n'est pas si grave, dites-le, ça le vaut. Hein? Ça le vaut, car le ciel, rien qu'en cette journée, va de leurs deux destins faire une destinée. Aussi, je n'ai qu'un vœu quant à votre hymen. Je me dis, ah mes enfants, buvons nos prochains. Bravo! Ah, mon cher poète, merci, c'est très gentil ça. Un peu lugubre par exemple, vous êtes pressé de boire à notre prochain mariage. Mais à part ça, c'est très bien. Et comme on voit tout de suite que c'est en verre. Comme Victor Hugo. Eh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait de plus, Victor Hugo? Il a eu de la chance de s'appeler Victor Hugo, voilà tout. Voilà tout. Et vous, vous appelleriez Victor Hugo que vous seriez un très, 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 très grand homme. Bon, enfin, j'ai mis certains souffles, vous voyez. Avez-vous remarqué mon souffle? Vous savez, de ma place, est-ce que vous avez remarqué, vous, Madame Bichou? Oh, je suis très enrhumée. Non, je veux dire, j'ai mis certains accents. Ah, parbleu! Si, je l'ai remarqué. L'accent du midi. Bon. Et vous, Mademoiselle Bichou? Non! Future Madame Saboulot. Finette, on te parle. Et ne mets pas ton coude sur la table. Quoi? Ça vous a-t-il fait plaisir, ces vers que je vous ai dédiés? Moi, je ne sais pas. Je n'écoutais pas. Ah, vous ne... Non, les vers, je trouve ça idiot. N'est-ce pas, Alice? Oh, oui. Finette, en voilà une raison. Tiens, c'est lui qui me demande. Qui lui? Bien lui. Chose. Monsieur Alexandre, il me demande comment je trouve ses vers. Il n'a qu'à ne pas me le demander. En voilà une raison. Quand un ami vous lit des vers qui vous ennuient, on doit dire « Oh, c'est charmant !» Vous avez bien vu comment nous avons tous répondu. Excusez-la, monsieur Alexandre, elle a encore la simplicité de l'innocence. Je vous en prie, madame Bichu. Elle sera peine d'une pension où elle a reçu la meilleure des éducations. Ça se voit. Je sors même de plusieurs pensions. Je n'ai jamais fait que ça, moi, sortir de pension. Dès que j'y entrais, c'était bâclé. Je suis d'un tempérament. Finette, il paraît que mon caractère est incompatible avec la discipline. Pigre. Tenez, si vous voulez bien, nous irons prendre le café dans le salon à côté. Monsieur, monsieur. Avez-vous servi le café? Non, monsieur. Je demande pardon à monsieur si le service laisse un peu à désirer. J'ai commandé un maître d'hôtel en extra, mais s'il m'a fait faucon, alors... Mais comment donc, monsieur? Comment donc? C'est votre domestique que vous appelez monsieur. Oui, je lui le donne à des égards. Il donne un vernis littéraire à ma maison. C'est un ancien prix d'honneur de Charlemagne. Ah oui. Lui? Allons donc. Mes compliments, mon cher. Qu'est-ce qu'il y a? Ancien prix d'honneur de Charlemagne. Vous sortez de Charlemagne. Oh, c'est cocasse. Un copain. En quelle année y étais-tu? En 59 et 60. Mais moi aussi, l'année où Chocard... Tu as connu Chocard? Parbleu. Il a connu Chocard. Chocard. Il a connu Chocard. Il a connu Chocard. Il a connu Chocard, mes amis. Chocard. L'année où Chocard s'est fait flanquer à la porte pour avoir introduit des petites dames dans le dortoir. Ah, quelle nuit, hein. Ah, tu m'aides. Tu permets que je te tutoie. Va donc. Et qu'est-ce qu'il en est devenu, Chocard? Il a fait son affaire. Il est agent des mœurs. Ah,
C'est bon. Comment t'appelles-tu, toi? Je te reconnais, mais c'est ton nom. Fermin Badol. Comment? C'est toi, Fermin Badol? Eh bien, je ne t'aurais jamais reconnu. C'est Fermin Badol, je le reconnais très bien, ce crétin-là. Il avait tous les prix. Blasé camarade à mon futur époux. Dites-le, si c'est l'un de vos amis, présentez-moi. Non, laissez donc. Vous savez, un ancien camarade, ça me rajeunit. Non, mais c'est drôle, je ne me rappelle pas du tout d'avoir connu de Saboulot. Comment? Tu ne te rappelles pas de mon nom? Oh, c'est drôle. Après tout, c'est peut-être parce que dans ces temps-ci, je m'appelais Briquet. C'est le nom de ma maman. Je l'ai porté jusqu'à ma majorité. Après ça, j'ai porté celui de mon parrain. Ah, Briquet, parfaitement, celui qu'on surnommait l'huître. Car tu baillais au soleil. Eh bien voilà. Moi, je me suis vouée à l'enseignement. J'étais professeur de physique et de chimie à Lorient. À l'occasion de mon mariage, le ministre m'a nommée à Marmontel, ce nouveau lycée de jeunes filles qu'on vient de construire. Vous savez, c'est un poste de confiance. On ne peut pas livrer des jeunes filles comme ça. Il fallait un homme incapable. Alors on t'a nommée. Comme incapable de toute idée de libertinage. Ah, ça fait plaisir de te revoir, Fernand. Et maintenant que j'ai assez sacrifié aux souvenirs du collège, reprenons nos rangs respectifs. Firmin, voulez-vous servir le café? Ah, bien, monsieur. Allô? La aux dames. Venez-vous, ma chère fiancée. Si je veux venir, j'irai bientôt pas seule. Parfaitement. Elle est gentille, ma fiancée, mais elle est pigrement mal élevée. À nous deux. Tu sais, toi, tu vas me faire le plaisir de te tenir mieux que ça. Il est très mal avec ton fiancé. Oui, eh bien, il en verra bien d'autres, mon fiancé. Ça, après, ça vous regarde. Mais avant ton mariage... Il n'est pas encore fait, mon mariage. C'est ce que nous verrons. Tu n'as pas été prise en traître, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais fait ça, moi, parce que les parents n'ont pas le droit de contrarier les inclinations. Et puis, je t'ai consulté, je t'ai dit, tu épouseras ce monsieur. Et je t'ai répondu, non. Et je t'ai fait un pinceau pour t'apprendre à répondre non à ta mère. Tu vois bien que nous sommes d'accord? Oui, comme ça. Et puis, ton père et moi voulons ce mariage. Monsieur Saboulot est un savant, un universitaire. Et ton père tient à voir sa fille dans l'université. Il se passera de moi à l'université. Mais qu'est-ce que tu le reproches à Monsieur Saboulot? C'est un professeur de physique. De physique? Il ferait mieux d'en avoir un peu plus et de l'enseigner un peu moins. C'est un homme sérieux, raisonnable. Il est assez vieux pour cela. Quoi? Vieux? Ton père est son aîné, je suis bien sa femme. Il est chauve. Il porte perruque. Comme tous les savants, il a le cheveu rare. Oui, et bien alors il le met sous une housse. Je n'aime pas les housses sur les meubles, moi. C'est bien. Dis tout de suite que tu ne veux pas te marier, que tu veux coiffer Sainte-Catherine. Non, je n'ai pas dit ça. Seulement, j'ai pu rêver autre chose. Voyez-vous, comment on trouve un bon époux?
à ton âge. Je te réponds que tu épouseras sa boulot. Non, 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 là. Ah, tu l'as, Finette. Nous t'attendions au salon. J'allais venir, seulement c'est maman qui fait de l'autocratie. C'est elle qui est une petite sotte. Il y a de l'orage. Aussi colère qu'entêtée, ma parole d'honneur, tu tiens de la mule et du dindon. Vous n'êtes pas assez aimable pour ma famille. Et voilà comment elle me répond, ma fille. Ma fille que j'étais seule à élever dans mon sein. Écoute, je t'avertis. Si tu n'épouses pas Monsieur Saboulot, je te flanque sur le champ à son collège. Oh, tu as beau hausser les épaules. Au collège Marmontel où tu resteras jusqu'à ta majorité. À notre collège. Ça m'est bien égal. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Je t'engage à réfléchir. Saboulot ou au collège, je compte sur vous, les filles, sur votre bonne influence pour la ramener à la raison. Oui, oui madame. Saboulot ou au collège. Oh, Finette, j'espère que tu ne vas pas faiblir. Si tu cèdes, tu perds du monde. Merci, mes amis, de me soutenir. Ah non, je ne faiblirai pas. Épouser Saboulot. J'aimerais mieux prendre le voile toute ma vie, prendre le voile au collège. D'ailleurs, je me charge bien de sortir de ce collège. En attendant, mon mariage ne se fera pas. Non. Non. D'abord, je ne peux pas. Mon cœur est pris. J'aime toi. Oui, un homme superbe. C'est pas un homme de science, lui. C'est un homme de couleur. Un nègre? Non, un peintre, un artiste. Oh. Il s'appelle Apollon Bouvard, je l'ai connu à la pension. Vous aviez des garçons à votre pension? Par exception, c'est lui qui peignait les fresques de la chapelle. Oh. Si vous aviez vu ça. Tiens, tâte mon cœur. Sens-tu comment il bat du tambour? Ah oui. Il n'y a pas à tirer l'amour. Mais alors, vous n'avez jamais pu vous parler. Comment ça? Ben, dame, à la chapelle, à 10 mètres de distance. Oh ben, nous avons trouvé moyen. Nous causions par signes. Ils connaissaient l'alphabet muet des pensionnats. Oh, c'est exquis. L'amour télégraphique. Nous aussi, nous avons un amour. Ah. Oui. Nous avons le même. Oh. Notre pion au collège, le vicomte Arthur Dutréteau, un jeune homme d'une élégance. Et qui danse le Boston. Oui, vraiment. Et comment a-t-il devenu pion? Un revers de fortune? Oh non, du tout, il est très riche. Mais comme il est aussi bachelier, il s'est fait nommer maître d'études au lycée Marmontel par son oncle qui est ministre. Au moins, s'il trouve un bon parti, il aura le temps de l'étudier. Ah, le bel homme! Comme Apollon. Ah, Arthur. Oh, Apollon. Eh bien, belle Vénus. Quoi, Vulgaine? Oh, le vilain petit caractère. En voilà une que je mettrai d'oplier. Et c'est comme ça que vous nous abandonnez. Eh bien, voilà le clan de la jeunesse. Comme vous voyez, nous laissons les gens d'âge ensemble. Les gens d'âge, les gens d'âge. Elle a toujours l'air de me jeter mon âge à la figure. N'est-ce pas, Monsieur Saboulot, que vous êtes plus jeune que papa? Comment? Mais... Oh, là, tu vois bien, Berthe. Non, mais pourquoi me fais-tu dire ben non? Petites impertinentes, j'ai 42 ans. Mais on n'a que l'âge comparé. 52 alors. Et que ces petites m'agacent. Je crois qu'on vous cherchait au salon. Oui, autrement dit, allez voir là-bas si j'y suis. Allons, viens. Elles sont agaçantes, mais intelligentes. Pourquoi êtes-vous toujours moqueuse? Faut bien rire un peu. Je n'aurai si peu l'occasion à venir. Pourquoi ça? Je vais vous faire une de ces petites existences. Vous serez gâtée. Vous êtes un père pour moi. Un père, oui. Elle a l'art de vous dire des choses désagréables. Eh bien, voyons, une fois mariée, que ferons-nous? Moi, vous savez, j'aime m'amuser. Je suis si légère. Ah mmh. Vous ne devez pas être légère. Pas positivement. Bon, d'abord, nous irons souvent au théâtre. Non, pas trop. C'est un mauvais exemple. Quelquefois, à l'Odéon, et puis nous fréquenterons les concerts spirituels. Vous savez que ça ne se gagne pas. Toujours aimable. Nous recevrons beaucoup des hommes, surtout. J'ai toujours adoré la société des jeunes gens. Eh bien, que vous avez tort. Dieu, que vous avez tort.
Dès la pension, déjà, je me suis fait mettre à la porte parce que j'entretenais une correspondance amoureuse avec un élève de Louis le Grand. Ah, diable, elle me fait frémir. Dansez-vous le Boston? Le Boston. Je connais bien ça comme ville, mais comme danse... Comment? Vous vous mariez, vous ne savez pas danser le Boston? Tenez, essayez. Mais c'est facile. Oh. Cupidon me protège. Ah, l'ingrate!
Elle se marie, malgré ses promesses, malgré ses serments. Oh, mais il faut que je la voie. Que je lui parle. Que je lui jette sa perversité au visage. Et alors, oui, on va peut-être me flanquer à la porte. Car enfin, je ne suis pas invité, je ne les connais pas, moi, tous ces gens-là. Heureusement que dans les soirées de contrat, on se connaît très peu. Alors, le côté de la mariée me croira du côté de l'époux. Et le côté de l'époux, enfin, vice-versa. Hein. Ah, un monsieur en habit noir. Pour me distinguer, ce doit être le père. Monsieur est sans doute le repère de la mariée ? Non, monsieur. Le fiancé, peut-être ? Non, monsieur. Quelqu'un invité sans importance ? Pas davantage, je suis le maître d'hôtel. Le maître d'hôtel ? Vous avez un hôtel ? Non, maître d'hôtel. On n'avait pas l'air de savoir ce que c'est un maître d'hôtel. Si, vous êtes larbin, quoi. Larbin ? Oh, je vous fais mes excuses si je vous ai pris pour vos maîtres. Je n'ai pas voulu vous blesser. Mais pardon, si vous dites que vous ne le connaissez pas, comment se fait-il que vous soyez ici ? Ah, voilà. Que vous dirais-je ? Voyez une victime de l'amour et de ses traits. Sous mes pieds s'ouvre l'abîme qui m'engloutit à jamais. J'aime, j'aime, belle extrême, mais vous n'y comprenez rien. Pauvre ami, on souffre bien. On souffre bien quand on a. C'est un bon conseil que je vous donne là. Oh. L'amour bon, bon, monsieur Vrel, je n'ai jamais, jamais connu ça. Et l'on a du marbre, oui, là, merci du conseil que je vous donne là. J'étais heureuse et tranquille, tête libre et cœur content. Je me croyais imbécile, à l'abri du sentiment. Ah, ne dis jamais fontaine, je ne boirai de ton nom. C'est aussi bien yes que non, la preuve, voyez ma peine. C'est un bon conseil que je vous donne. L'amour, mon bon monsieur Vrela, je n'ai jamais, jamais connu ça. Et oui, je m'en rends guida, merci du conseil que je donnais là. Mais ce n'est pas ça ce que je vous demande. Vous dites que vous ne connaissez personne ici. Alors vous n'êtes pas invité. Ah, ça y est, il va me flanquer honteusement à la porte. Mon Dieu, oui et non, je ne suis pas positivement invité. Je le suis sans l'être, par-dessus le marché, quoi. Je suis en extra. En extra ? Comment ? C'est vous ? C'est l'extra ? Eh bien, mon ami, je ne comptais plus sur vous. Je vous avais commandé pour 6 heures. Vous m'attendiez ? Dame ! Eh bien, je n'aurais jamais cru. Ça m'a l'air d'un flâneur. Vous savez, je dirais à la maison Bidoche à quelle heure vous êtes arrivé. Oh, eh bien, c'est ça qui va l'intéresser, la maison Bidoche. Et vous ne mériterez pas que je vous donne 10 francs. Mais comme je vous en ai compté 15 sur mon livre... Comment ? On est même payé ? Tenez, vous allez me donner un coup de main tout de suite. Comment vous appelez-vous ? Bouvard. Apollon Bouvard. Apollon, ce n'est pas un nom. Je ne peux pas vous appeler comme ça. Appelez-moi Phébus. C'est la même chose. Non, vous appellerez Auguste. C'est plus courant. Auguste ? Pourquoi Auguste ? Après ça, si ça peut vous être agréable, on peut ne pas m'appeler Apollon... Ça se voit tout de même. Tenez. Ah, moi, il faut que... Eh bien, oui, quoi ? Eh bien, bien, c'est une drôle d'idée. Dites-moi, vous connaissez bien Monsieur Bichu ? Parbleu, puisque c'est mon patron. Et je peux dire que c'est un ami pour moi. Attendez.
Qu'est-ce que vous faites? J'attache le grelot. Sans ça, on n'ose pas m'entamer. C'est égal. Vous qui vous dites l'ami du patron, lui chipez comme ça ses cigares. Pardon? Comme domestique, je suis dans mon rôle. Comme ami, je suis dans mon droit. Aidez-moi donc à porter cette table dans la pièce voisine. Encore? Oh, tu m'embêtes. Vous dites? Rien, voilà. À quoi en suis-je réduit, mon Dieu? Dans la plaie. Eh bien quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Venez donc m'aider. Oui, voilà, voilà. Et maintenant, placez les chaises et portez les cigares. Oui, bon, quelle scie! Saboulot est furieux, mais il ne refuse pas. Là, la table est placée. Oui. Vous? Elle? Oh! Ah mon Dieu, je vais appeler! Non, n'appelez pas! Finette! Oh non! Quel bonheur! Quelle joie! C'est le ciel qui t'envoie! Te sentir près de moi? Me sentir près de toi! Est-ce un rêve? Est-ce un songe? Alors qui se prolonge? Est-ce lui? Est-ce toi? Est-ce lui que je vois? Rinçons-nous! Rinçons-moi! À quoi me sortilège? Que Dieu qui nous protège face que ce soit lui! Commençons! Allons-y! Hé! Hey, aïe! Tu sentis? Non, oh là là, oui! Certes, oui! C'est bien de toi! C'est bien lui! Oh mon Dieu, merci! Quel bonheur, quelle joie! C'est le ciel qui t'envoie te sentir près de moi! Me sentir près de moi! Elle, c'est elle, vous, c'est vous, toi, c'est toi! Oh, je ne sais plus si nous nous tutoyons ou si nous nous voyons! Je ne sais pas. Nous ne viendrons jamais causer que par signe. Oh, la malheureuse! C'est donc vrai que tu te maries? Et qu'est-ce que tu épouses? Quelle est la chose, quel est l'objet que tu épouses? Un homme, bien sûr. Un vulgaire homme. Ne m'en parlez pas. Et voilà un être que j'ai aimé. Un être pour qui j'aurais donné ma vie si elle m'appartenait. Mais ma vie est à Dieu. Et je n'ai pas l'habitude de disposer des choses qui ne m'appartiennent pas. Mais je pourrai tant que vous. Et j'ai plus besoin d'appui que de reproches. Seulement, vous aviez un peu d'argent. C'est vous qui me parlez celle-ci? C'est vous qui êtes capable de pareils calculs? Mais est-ce que j'y regarde, moi, à la fortune? Je n'en ai pas, moi. Mais du moment qu'il y en a un des deux qui en a, c'est tout ce qu'il me faut. C'est pas pour moi que je dis ça. C'est pour papa. Ah, papa, voilà le grand mot, papa. Si seulement vous n'aviez que la première médaille au salon, ce serait une promesse pour l'avenir. Mais sacristi, l'argent ne fait pas tout. Et votre père est bien assez riche. Après tout, quelle est donc la fortune de votre prétendu? Ah, monsieur Saboulot! Alors lui, c'est autre chose. D'abord, c'est un savant, un professeur de physique. Et comme papa n'a jamais obtenu son brevet de physique, il croit que ce mariage le posera. Et c'est vous qui le sacrifie? Encore une victime de la science. Ne dites pas de mal de Saboulot. Il paraît qu'il a des qualités. Il paraît qu'il sait chanter le cannibale et l'horizontal. Eh bien, voilà un plaisir qu'il faudra que je me fasse. Papa! Qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde te réclame au salon. Est-ce que c'est ta place ici, avec les domestiques? J'étais en train d'offrir à mademoiselle. Non, des cigares? Non, on fume, ne fume pas. Donnez-moi ça. Le pauvre, il le prend pour un domestique. Qu'est-ce que vous faites? Il paraît que ça s'appelle attacher le grelot. Vous fumez la cigare? Je vais vous dire. Ça dépend. Jamais chez moi. Non. Ça va être une odeur infecte. Et puis, pour vous tenir compagnie... Voulez-vous jeter ça? Le grand cœur? C'est un infectados. Un dessous-tados. Ça ne vaut rien. Occupez-vous donc de votre service ou j'irai me plaindre à la maison bidoche. Encore? Ils ont donc tous la manie de raconter leurs histoires à la maison bidoche. Allons, Finette. Oui, papa.
Et je vous prie de ne pas faire de seigneurie dans mon dos. Joli le personnel de la maison Bidot. Est-il ours le papa Bichu, mon futur beau-père? Ça fait partie de la noce, ça. Mon Dieu, monsieur, oui et non. J'en suis comme je suis, comme dans notre part, profession. Je vois ce que c'est. Vous êtes comme moi? Vous êtes un extra? Oui, voilà, comme vous dites. Je suis un extra. Je suis un extra récemment installé à Paris, où mon père m'a acheté une charge. J'ai choisi le stade parce qu'il me paraît essentiellement tranquille. Et... étant timide de ma nature... Oui, c'est bon. Comment vous appelez-vous? Celeste Cornel. Bon. Eh bien, vous vous appellerez Antoine. Comment? Mais vous vous appellerez Antoine. Je m'appelle bien Auguste. Ah, oui, monsieur. Ici, c'est l'usage. Quand on est extra... C'est spécial. C'est spécial à Paris, sans doute, parce qu'en province où j'étais... C'est l'usage. Oui, monsieur. Tenez, déposez votre serviette là. Et maintenant, vous allez passer les cigares. C'est bien votre tour. Mais monsieur, comme notaire, on vous donnera 10 francs. Allez! Mais qu'est-ce que vous faites? J'attache le grelot! Allez! Ah, oui, monsieur. Eh bien, j'ai même une autre en province. Messieurs, mesdames, si vous voulez venir par ici pour la lecture du contrat. Où est-il, le notaire? On m'a dit qu'il était ici. Quoi? Est-ce que ce serait vous? Est-ce que ce serait moi? Évidemment, c'est moi! Qu'est-ce qu'il a? Que des excuses pour ma méprise de tout à l'heure. Oh, monsieur, vous savez, les méprises, ça arrive même aux gens intelligents. Vous allez nous lire le contrat? Hein? Moi? Ah! Si vous voulez. Après tout, si ça peut leur être agréable. Messieurs, mesdames, veuillez vous asseoir. D'abord, je vous présente ma fille, la future. La victime. Comment? Non, c'est un terme de métier. Monsieur Saboulot, le fiancé. Ah, parfaitement. Je croyais que c'était monsieur son père. Hein? Le voilà donc, l'objet, le grotesque, qui chante le cannibale et l'horizontal. Oh, j'en ai assez de passer des rafraîchissements. Il n'y a personne. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait donc à ma place? Pardon, monsieur. Voulez-vous vous taire? Monsieur. Et tâchez de rester debout. Oui, monsieur. Faites des excuses, monsieur. Un bon trait. Voilà. Voyons un peu qu'est-ce qu'il raconte, ce machin-là. Ah, pardon. Oui. Quoi oui? Pourquoi dis-tu oui? Et pourquoi lui faites-vous des signes? Ce sont des signes cabalistiques. Ça se fait toujours au contrat. Et on doit répondre oui. Tiens, ça ne se faisait pas de notre temps, dis-tu? Non, Galatée. Oh, alors c'est mon tour, vous allez m'en faire aussi. Comment donc? Oui. C'est très bien. C'est dégâts, c'est extraordinaire, monsieur. Je vous ferai remarquer. Ah, mais il est embêtant, cet animal-là. Vous n'allez pas vous taire? Oui, monsieur. Allez, maître. Accusé. Levez-vous. Moi? Accusé? Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Mais pardon, mon ami, vous trompez, nous ne sommes pas ici pour... Ah voilà, c'est, vous n'allez pas lui apprendre! Oui, monsieur... Comment vous appelez-vous? Saboulot Joseph! Joseph? Ça ne m'étonne pas. Joseph Alphonse! Joseph Alphonse? Faudrait s'entendre, cependant. Joseph et Alphonse, c'est contradictoire. On est Joseph ou Alphonse?
Cependant... Eh bien, faisons une moyenne. Mettons Eugène, par exemple. Eh bien, Saboulot Joseph plus Alphonse égale Eugène. Tenez, mettez-vous là, au milieu. Et maintenant, chantez-nous le cannibale et l'horizontal. Hein? C'est un usage maintenant. À la signature du contrat, le mari doit chanter le cannibale et l'horizontal. Elle est raide, celle-là. Mais je n'ai jamais vu ça. Vous, parbleu, il y a 20 ans que vous êtes mariés. Vous êtes en arrière. Alors, voyons. Mais jamais de la vie. Soit. Alors, le mariage est nul. Oui, oui. Alors, sérieusement? Mais est-ce que j'ai l'air d'un monsieur qui plaisante? Non. C'est curieux. Eh bien, je n'y aurais jamais cru. Mais c'est encore de la chance que je l'ai appris, hein. C'est ce qui c'est un pressentiment. Sans ça, on aurait dû reculer le mariage. Eh bien, soit. C'est un usage pour montrer à la femme jusqu'à quel point son mari peut se rendre ridicule. Hein? Voyons un peu. Devant nous, Maître Carlin, notaire. Présent. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie-là? Voulez-vous vous taire? Ah oui, monsieur. Monsieur le grelot. On comparut, d'une part, le sieur Saboulot Joseph Alphonse, âgé de 147 ans. Comment? Non. 147 ans? Non, non, pardon, c'est une barre que j'ai prise pour un nom. Non, 47 ans. Oui. Comment? Vous n'avez que 47 ans? Oh, comme vous êtes abîmé pour votre âge. Eh bien, dis donc, est-ce que ça vous regarde? Et la demoiselle, Finette Bichu, âgée de 17 ans. 17 ans? Mais vous n'avez pas de honte? Une enfant à peine nubile. Qu'est-ce que ça veut dire que ça, maman? Nubile? Rien, c'est du latin. C'est comme qui dirait l'âge de raison. L'âge de raison, où l'on commence à faire des bêtises. Quel drôle de notaire. Vieillard libidineux. Passons aux apports. Voyons un peu ce que vous apportez en dot. Le futur apporte à la communauté son traitement de professeur. C'est pas lourd, ça. Il apporte en outre une tante très riche et très âgée. Hein? Vous jouez du cadavre, vous. Est-ce que ça vous regarde? Silence! On n'interrompt pas la loi. Autour de la fiancée, maintenant. La future épouse apporte en dot 400 000 francs. Mazette! Vous faites une affaire, vous. Vous savez, mademoiselle, il fait une affaire, c'est dégoûtant. Ah, mais j'en ai assez, ça va finir! Vous dites. Ce que la moutarde me montenait, j'ai lui cassé la figure à Maître Carlin. Ah, moi? Mon Dieu, monsieur, ne fait pas s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui vous a parlé? Qu'est-ce qui vous parle? Est-ce que vous vous appelez Maître Carlin? Mais oui. Hein? Maître Carlin, notaire pour lui un contrat dont vous serez disposé. Le notaire? Mais alors lui, qui est-il? Pensez. Je vais vous dire. Je suis ce qu'on appelle un en tout cas. N'est-ce pas? On a des ombrelles quand il fait beau et des parapluies pour quand il pleut. Et puis il y a les en tout cas qui servent à tout. Eh bien, je suis un en tout cas. C'est peut-être un filou. Il faut le chasser. Ne me Sortez touchez pas. Ne me touchez pas. Monsieur le père, arrêtez-le. Mais je suis pas commissaire, moi. À la porte. Mais on ne touche pas. Monsieur Apollon Bouvard, et c'est lui que j'aime. Et ce serait sa femme, moi personne. Quoi? Quel scandale! Mais demain, tu rentres au lycée. Que m'importe. Apollon, je t'aime. Oh, ma finette, je t'adore. À lui, à jamais. À toi, toujours. Régnait dans les enfers avec
Proserpine. Père, Seigne, tu as perdu. Mais non, toujours, j'ai la guigne. Ah, oh, si je n'ai pas de veine en amour. Pluton, troisième fils de Saturne et d'Ops, régnait dans les enfers avec Proserpine. Dis donc, Clarisse, tu me prêteras ton journal quand tu auras fini? Non, tu me donneras à moi. Mais je l'ai retenu avant toi. Et qu'est-ce que ça me fait à moi? Naturellement, c'est son fil indomptable, c'est tout dire. Tu as peur de recevoir mon raclée. Ah, et puis, tu sais, tu n'es pas contente, je suis ton homme. Oui, c'est bon, c'est bon. Impair! Toi, tu as perdu. Mais non, voyons, trois. J'ai dit impair. Oui, mais il y en a une agate. Ça compte pour deux. Ah bien non, par exemple. Tiens, tu ne voudrais pas. Pluton, troisième fils de Saturne et d'Ops, régnait dans les enfers avec Proserpine. Elle est assommante avec son troisième fils de Saturne et d'Ops. Ne travaille donc pas comme ça, tu nous déranges. Oh, dis donc, Sophie, tu ne sais pas, le prince Stéphano qui a lâché Émilie Colmar. Oui, allons donc. Il l'a pincé avec le ténor Figeac. Figeac, ne dis pas ça. Tu fais de la peine à Émilie. Oh, que c'est bête ce que tu dis là. Je lui écris une fois, il ne m'a pas répondu. Ça a été fini. Non, je ne joue plus avec toi. Tu triches. Monsieur, monsieur. Tais-toi donc, tu vas réveiller le pion. Moi, à votre place, je demanderai des comptes de sa fatigue. Est-ce que ça nous regarde? Oh, avec ça qu'on le voit, qui n'a de que de vous pour vous? Et vous de votre côté? Quoi de votre côté? Ça c'est vrai, par exemple... Bagarre! Oh, que je suis bête. Je rêvais que j'étais encore au cercle. Et ça c'est stupide de mettre les cavés comme ça de 25 louis. Oh, la dame de pique d'un côté, la dame de cœur de l'autre. Je ne tiens plus debout. Eh bien, voilà, tout cela n'arriverait pas si on avait voulu m'accorder ici la surveillance des dortoirs. Monsieur, monsieur. Quoi? Oui, allez. Ah oui, la dame de cœur, celle d'hier, surtout avant le cercle. La petite du jardin de Paris. Très chic. Elle sera contente des vers que je viens de lui faire. Si je vous disais, pourtant, que je vous aime, qui sait, brune, aux yeux bleus. Quand je dis faire, c'est du musée. J'ai préféré copier, parce que c'est toujours mieux fait. Et puis moi, ça m'a toujours réussi de copier. C'est même comme ça que j'ai passé mon baccalauréat. Mademoiselle Sophie, travaillez donc là. Vous êtes là, la tête en l'air. Oh monsieur, je vous regarde. Ah, très bien, continuez. C'est curieux comme toutes les femmes se laissent prendre au verre. Au fait, si en post-scriptum, je lui demandais sa photographie. Sois gentille, belle chérie. Oh. Envoie-moi ta photographie. Oh. Photographie. Comment ça s'écrit photographie? Photo. Graphie. Combien d'âge? Qui est-ce qui sait comment s'écrit photographie? P. H. O. T.
T-H-O. C'est très bien. Je voulais savoir si vous le savez. Voilà. Autant que possible, il ne faut pas faire de faute d'orthographe quand on écrit aux femmes. Elles conservent toutes les lettres. Nous allons un peu réciter les leçons. Mademoiselle Alice, voulez-vous me réciter votre leçon, mon enfant ? Oui, monsieur. Le vieillard et les trois jeunes hommes, un octogénaire planté. Pas encore de bâtir, mais planté à cet âge. C'est très bien, ça suffit, vous savez. Et comme je suis content de vous, je vais vous embrasser. Mademoiselle Berthe. Elle est très gentille, la petite Berthe. Votre leçon. Je ne la sais pas, monsieur. Vous ne la savez pas. C'est très mal. Et moi, qui pour vous encourager, vous avez donné un baiser hier. Vous ne le méritez pas. Rendez-le-moi tout de suite. Voilà, monsieur. C'est très bien. Vous savez. Voilà. C'est un système à moi, ça. On ne mène pas les jeunes filles comme on mène les garçons, voyez-vous. Je suis le pion des demoiselles, je suis galant, ferme à la fois. Jamais de peine corporelle, grâce et douceur, voilà mes lois. À la fillette que j'embrasse, je prouve que je suis content. Et lorsque l'on tombe en disgrâce, c'est un baiser que l'on me rend. Voilà comment les rangs gentils, que c'est charmant, que c'est donc bon d'être un pion. Être un pion dans un lycée de jeunes filles. Oh, il est trop beau! J'en prends l'air! Il faut avant tout être artiste, point terre à terre, ni bourgeois. Pour saisir le charme, il existe de gouverner ses fréminois. C'est un poste confiance, tentant comme un fruit défendu. Ne mords point pas de défaillance, malheureux où tout est perdu. Tu ne mords point mais tu grappilles. Que c'est charmant, que c'est donc bon d'être un pion dans un lycée de jeunes filles. Mademoiselle Sophie, qu'est-ce que vous avez donc à plonger dans votre pupitre ? Montrez un peu la cuisine que vous faites là-dedans. Mais monsieur... Du chocolat ! Vous faites du chocolat ! C'est comme ça que vous vous préparez au baccalauréat. Vous n'enrichissez pas de gourmandise. Tiens ? Il est bon ? Où l'achetez-vous ? Je ne l'achète pas, monsieur. Je ne le suis pas, maman. Bien, ceci dénote d'une nature économe. Mais c'est égal. Je devrais vous punir. Vous êtes gourmand. C'est un défaut. Mais votre chocolat est bon. C'est une qualité. Et comme les qualités font passer les défauts, je ne vous dis rien. Je ne vous dirai rien pour cette fois. Mais ne recommencez pas. Naturellement. Jamais vous ne me punissez. Ni ne me récompenser. Hein ? Oui, c'est vrai.
Ça ne me dit rien. C'est l'heure de l'exercice. Allez chercher vos cerceaux en silence. Et moi, pendant ce temps, je suis libre. Pendant que le professeur d'éducation physique va les faire trimer, moi, je vais pousser jusque chez Fernande ou Anita. Je ne les trouverai peut-être pas. J'irai chez Émilie, tout ça, ses voisins. Pour mes fredaines, je centralise, je prends une rue. C'est plus commode. À droite, alignement. Disparaître tout ce qui dépasse. Tiens, je ne peux pas. Ce n'est pas de ma faute. Allons, ça suffit. Vous avez toujours de bonnes excuses à faire valoir. J'aimerais bien en avoir moins. Fixe. Oh, vous êtes par ici, mademoiselle. Je proteste, c'est de l'arbitraire. Continuez, je vous en prie, n'interrompez pas l'exercice. Portez, cerceau. Reposez, cerceau. Présentez, cerceau. Posez cerceau, présentez cerceau, posez cerceau, reposez cerceau, par le flanc gauche, gauche, par pied à droite, marche! Voici votre classe, mademoiselle. C'est ça votre boîte? Chouette! Mademoiselle, veuillez parler autrement. Oui, eh bien, je l'ai assez vu comme ça. Tout ça n'est pas sérieux, hein. Je vous dis que je ne veux pas rester ici, moi. Rendez-moi à maman. Non, mademoiselle, c'est impossible. Ah, c'est comme ça? Eh bien, ça va être gai. Je vous préviens que tous les moyens me seront pour sortir d'ici. Ah, vous voulez lutter? Eh bien, votre collège enverra de belles. Oui, c'est bon, c'est bon. Enfin, vous ne direz pas que vous n'avez pas été prévenu. Moi, je vous dis que vous obéirez. Comment voit la revenue? Eh bien, et l'exercice? Il n'y en a pas. L'instructeur n'est pas venu. Il s'est foulé le pied. C'est bien. Voici une nouvelle camarade que je vous présente. J'espère que le bon s'appelle de vos condisciples. Changera vos idées. Mesdemoiselles, soyez sages. Je ne suis pas une brebis de panurge, moi. Oh, Finette. Que je suis contente de te revoir. Moi, je le serais si c'était ailleurs. Et ton amour? Il m'a conduite ici, mon amour. Ah, quand verrai-je Apollon maintenant? Tu verras. Tu seras très bien ici. Et comment t'appelles-tu? Finette. Comme elle a l'air grincheux. Non, 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 tu verras, tu seras très bien. Et puis, si tu as à écrire à ton Apollon, tu peux. On peut mettre les lettres à la poste par les externes. Alors, il paraît qu'il y a une nouvelle. Arrive ici, toi, qu'on te voit. C'est à moi qu'elle parle comme ça? Oui, mais ne dis rien. Parce que c'est Sophie l'intombable. Elle n'est pas commode. Ah, bien, c'est ça qui m'est égal. Eh bien, dis donc, la nouvelle, tu n'entends donc pas quand on te parle? Qu'est-ce qu'il vous faut à vous? D'abord, il faudra changer ce ton-là. Arrive ici. Tu sais, ce n'est pas une nouvelle de parler maligne. Je te prends, moi. Comment ça? Pour faire tout mon phobie, comme on dit au régiment, tu me prêteras tes devoirs. Le matin, tu me prends mon lit. Hein? Oh, mais dis donc, t'as pas froid aux yeux? Regarde un peu si je vais te le faire, ton lit. Qu'est-ce que c'est? Finette, je t'en prie, ne résiste pas. Oh, mais il faudrait pas essayer de me mécaniser. C'est à moi que tu parles comme ça? Tu ne sais pas qui tu parles. Sophie l'intombable. Intombable tant que tu voudras. Il ne faudrait pas croire que tu me fasses peur. Moucheron, ben. Oh. Moucheron? Paquet. Paquet. Répète-le donc. Oui, je le répéterai. Paquet. Paquet. Paquet! Oh. C'est qui ça? Saboulot!
Vous, allez prévenir le proviseur que Monsieur Saboulot, le nouveau professeur de physique, vient d'arriver. Oui, monsieur. Quel professeur de physique ? Mesdemoiselles, je suis votre... Matin, les jolies filles ! Je suis votre... Je suis votre nouveau... Votre nouveau professeur. Oh, tout ce beau sel, je prends cela. Votre nouveau professeur de physique. Je crois qu'il bégaye. Je ne vous cacherai pas que je suis disposé... elle a de jolies dents, celle-là. Que je suis disposé... Oh, ne m'entendez donc pas comme ça, vous m'étouffez. Allons, en dehors des rayons, n'est-ce pas? Oh, tous ces yeux à la fois, si je ne veux pas me laisser dominer. Bon, prenez-y vos places. Allez, mesdemoiselles, prenez-y vos places. Allez. J'avais prié qu'on allait s'asseoir. Je parlais pour tout le monde. Oui, vous, la petite demoiselle, là. Quoi ? Finette ? Elle ? À ton tour, Saboulot. À toi, le beau rôle. Et dire que c'est à cause de cette vieille perruque que je me suis soufflée. Je ne veux même pas avoir l'air de la connaître. Veuillez vous asseoir. Flûte ! Voilà, je lui donne des ordres. Elle ne les exécute pas, mais je lui donne des ordres tout de même. Mesdemoiselles, nous allons commencer le cours. Un écarté, Berthe. Un écarté, soit. Et c'est pour vous, mesdemoiselles les assises, que je lui commence mon cours. Car pour mademoiselle, je ne m'occupe pas moins que si elle n'existait pas. Oui, mon vieux, t'as raison. Car en fait, cours, t'as pas été heureux avec moi. Mademoiselle, je n'oserai pas la parole. Je parle à ces demoiselles. Ah, bien. Quant à mademoiselle, elle peut s'obstiner à rester au piqué au milieu de la classe. Je ne m'aperçois même pas qu'elle est là. Oui, c'est bon, on l'a entendu. Mais là, pas du tout. Je la martyrise. Au fait, il a raison. Je vais m'asseoir. Ainsi, mademoiselle s'est assise. Je n'y avais même pas fait attention. Je veux qu'elle le voie bien. Nous allons commencer le cours. La physique et la science. Qu'est-ce qu'elles font là ? Elles jouent à l'écarté. Mais non, mon enfant, vous devez répondre à la couleur. Cœur à tout et à tout. Vous ne savez vraiment pas jouer à l'écarté, mon enfant. La physique est la science des choses naturelles. Monsieur, alors l'amour, c'est de la physique ? Jamais de la vie. Pourtant, c'est une chose naturelle. Oui. Il y a des gens qui le disent, mais c'est de la philosophie. Il n'y a guère que la femme qui fasse de l'amour une question de physique. Je perds mon temps. Elle fait des cocottes. Mademoiselle, quand je donne le cours, je prierai de ne pas faire ce que j'appelle par euphémisme, à cause des jeunes filles, des demoiselles en papier. Flûte. Ah, voilà, ma parole. Elle a presque l'air de se moquer de moi. Qu'est-ce qu'il manque cette boîte de papier? Vous, là, c'est vous, je vous ai vu. Moi, monsieur? Vous serez privé de récréation pendant 2 jours. Oh, monsieur, vous n'êtes pas galant. Vous oubliez que je suis votre professeur. Et moi, que je suis une femme. On doit tout passer aux femmes. Oui. Ah oui. Je ne dis pas, mais on ne lance pas de boulettes de papier mâché. Voyez-vous des gens bien? Voyez-vous madame, votre mère, lancer des boulettes de papier mâché? Maman ne me dit pas ce qu'elle fait. Elle est gentille, celle-là aussi. Bon, passe pour cette fois, mais n'y en est plus. Ah! J'en ai assez d'être assise. Je vais me dérouiller les jambes. Mais voyons, ne vous gênez pas. Vous voyez, c'est ce que je fais.
J'aimerais bien connaître le nom de cette personne qui se permet toutes ces licences. Quel est votre nom, mademoiselle? Moi? Faites donc pas l'imbécile. Hein? Vous ne me connaissez pas? Eh bien, je vais vous donner de la mémoire. Finette Bichu, fiancée en rupture de ban, devait épouser un magot. Assez, assez! Un instrument mathématique, une boîte à chiffres. Assez, assez! Mademoiselle, bouchez-vous les oreilles, elle va trop loin. Et ce magot, cet instrument mathématique, je le nommerai. Nommez-le! Non, mademoiselle, je vous donne capot, sortez toutes! Ah, quel bâtard! Quel bâtard! Il paraît que vous me reconnaissez maintenant. Oui, Finette, je vous en supplie. Pas de bruit, pas de scandale. Et voilà, monsieur, comment d'un seul mot je fais tomber toute votre arrogance. Vous canez, monsieur. Finette. Ah, tenez, vous me faites pitié. Voilà bien les hommes, des mouches. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Il le demande. Non, mais sans vous, est-ce que je serai encore ici? C'est à vous que je dois ma réclusion. Eh bien, si vous voulez être libre, dites un mot à vos parents. Quoi? Que vous m'aimez. Moi? Jamais. Oh, une étrange chose que la vie. J'aurais fait fi des femmes qui m'ont aimée. Il faut que ce soit celle que j'aime qui me repousse. Vous avez été aimée. Vous. Certes. Et discrètement. Sans qu'on me le dise. Ah, bon. C'était des femmes du monde. Ne les compromettez pas. Jamais. Ah, Finette, pourquoi ne m'aimez-vous pas? Nous aurions pu être si heureux dans le petit appartement que je vous ai fait meubler à Faubourg Poissonnière. Oh, que je suis malheureux. Vous soupirez? Dites-moi, je puis au moins espérer. Oh, on peut toujours espérer. Oh, et vous m'aimerez, hein, Edith. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Qui sait? Si vous aimez, c'est du vôtre. Non, mais c'est qu'il croit que c'est arrivé. Et puis d'abord, je ne veux pas vague avec cette vilaine chevelure. Enlevez ça, Edith. Mais c'est à moi. Oui, eh bien, faites-moi un cadeau. Hein? Oui, j'aime la tête nature. Enlevez ça, voyons. C'est que je suis un peu rat en dessous. Oh, comme je vous aime déjà mieux comme ça. Oh, c'est doux, c'est lisse. Vous avez dû mettre du pilivore. Oh oui, 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 précisément, oui. Alors maintenant, j'aimerais vous voir avec des cheveux à vous. Oh, tu laisseras pousser tes cheveux, hein, dit Joseph. Oh oui, certainement. Oh, que je suis heureux. Et alors, le jour où tu auras tous tes cheveux, je serai ta femme. Hein? Je suis joué. Oh, c'est gagné! Ce n'est pas vrai, je me suis fait tondre. Oh, rendez-moi ça. Rendez-moi ça. Rendez-moi ça. Ah, bien, c'est comme ça que je continue la classe jusqu'à nouvel ordre. Oh. Mon Dieu. Entre toi et toi.
J'avais un cocher épouvantable. Nous avons même fait une de ces courses incohérentes. Non, on ne le croirait pas. J'aperçois un fiacre qui passe. Je lui fais signe, OPJ crème. Mais si ce n'est pas de la guine, son carton n'allait pas du tout. Papa, 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 papa. Mon cocher qui était tout novice ne connaissait pas son chemin. Au lieu d'aller où je lui dis, il me dirige à Charenton. Papa, 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 papa. Sur le quai grand rassemblement, il nous faut donc ces chemins, c'est une foule qui regarde ce que l'on pouvait bien regarder. Papa, 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 papa. Mon cocher fait d'un volte-face bien tramboué qui l'enculbute. Et comme c'est nous les plus faibles, c'est nous que l'on fout en fou rire. Papa, 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 papa. Voilà comment j'ai fait le parti de faire chemin sur mes jambes. Moral, quand on est pressé, il ne faut pas prendre de fiat. Papa, 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 papa. Oui, j'ai payé de toupé. Je lui ai dit, me voilà, je ne suis pas en retard. Il m'a répondu, je ne crois pas, monsieur. Et je suis passé. Ce n'est pas si mal que ça. C'est parfait. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Eh bien voilà, je viens vous le demander. Comment ça, vous venez me le demander? Mais ça me paraît indiqué. Vous allez m'enlever. Vous enlever? Évidemment. Et une fois dehors, je vous suis partout. Je me compromets avec vous. Je ne vous dis pas, certainement, que je suis très flatté. Mais c'est que ça relève des tribunaux, ça. Oh, Apollon, vous ne m'aimez pas. N'est-ce pas, mon ami, vous apportez un instrument de chimie pour le cours? Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Le proviseur, je l'avais oublié. Vite, cachez-vous! Non, 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 pas par là. Il y en a déjà un. Merci, et c'est bon. Là, on ne me voit pas. Je vous demande pardon. Tiens, où est donc le professeur de physique et de chimie? Je ne l'ai pas vu, monsieur le proviseur. Comment vous n'avez pas vu? Mais alors? Et mais le voilà! Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je vous attendais, monsieur le proviseur.
quatre pattes sur la table. Vous savez, en attendant, j'inspectais la classe. À quatre pattes. J'ai la vue basse. Bon, je vous demande pardon si je vous ai fait d'avant, mon cher collègue. Mon cher collègue, c'est donc un peintre. C'est aujourd'hui que vous commencez votre cours de physique et de chimie. Hein? Comment cela, hein? Ah non, j'allais dire, ah oui, vous ne m'avez pas laissé le temps de finir. Est-ce qu'on va me mettre partout comme ça, à toutes les sauces? Mais où sont nos élèves? Elles devraient être en classe. Quand elles m'ont vu, elles sont discrètement retirées. Voulez-vous les appeler, mademoiselle? Hé, hey, vous, là-bas! Beau temps, Jordi. Oui, mais chaud. Très chaud. Chaud, chaud. Très chaud. Ouais. C'est drôle comme on est bête quand on n'a rien à se dire. On le sait qu'il fait chaud. Ah ben non. Veuillez rentrer niveau classe. Qu'est-ce que c'est que ces manières d'aller se promener quand vous voyez arriver votre professeur? Quel professeur? Jules, rentrez niveau classe. Et maintenant, monsieur, voulez-vous commencer votre cours? Moi, il faut que... Je vous en prie. Voilà, il abuse. Il devient discret. Alors, vous croyez qu'il faut que je... Bien naturellement. C'est que je vais vous dire, je suis très timide. Et tant que je ne commence pas mon cours, je n'ose pas. Précisément, commencez-le. Oui, là. Mais tant que je n'ose pas, je ne le commence pas. Ça peut durer longtemps. C'est plus violence, voyons. Un peu de physique, allez. Un peu de physique, allez. Un peu de physique, allez. S'il croit que c'est commode, c'est que je n'ai que de faibles notions. Enfin, allons-y pour la physique, puisqu'il le faut. Mesdemoiselles, je vais faire devant vous aujourd'hui quelques expériences de physique. Quelqu'un aurait-il un mouchoir propre et une pièce sans soie à me prêter? Hein? Monsieur le proviseur, s'il vous plaît. Voilà, mais je vois pas. Laissez-moi faire. Vous voyez cette pièce de 100 sous? Et hop, disparue! Et maintenant, elle est au bout de votre nez, monsieur le proviseur. Mais pardon! Vous vous trompez de physique, cela n'est pas dans le programme. Pardon, si, c'est dans le nouveau programme. Maintenant, je mets la pièce dans le mouchoir. Il y est bien, regardez. Oui. Il y est bien. Et un, deux, trois, disparu. Voilà, c'est manqué. Maintenant, je la remets dans le mouchoir. Veuillez compter jusqu'à 10 à haute voix, monsieur le proviseur. Veuillez couper le mouchoir, mademoiselle. 2, 3. Quand vous arriverez jusqu'à 10, vous vous arrêterez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez le trou dans le mouchoir? Oui. Vous le voyez, monsieur le proviseur. Mais c'est mon mouchoir. N'ayez pas peur. Je vais vous en remettre dans le même état. Pour cela. Je le remets dans ma poche. Je le ressors. Et hop, sans trou. Mais ce serait le même mouchoir. Mais je n'ai pas dit que ce serait le même mouchoir. Si le mouchoir aurait été pareil, on n'aurait vu que du feu. Et ce n'est pas la peine de deviner le truc. Mais alors, mon mouchoir à moi. Tenez-le, monsieur le proviseur. Eh bien, il est joli, je vous remercie. Oui, mais vous aviez une pièce de 100 sous. Parbleu, c'est ma pièce. Maintenant, par quoi pourrais-je continuer? Vous voyez cette calotte? Non! C'était comme cela. Ça coûte trop cher. Faites plutôt de la chimie, tenez. De la chimie? Oui. De la chimie. Dame! C'est que je n'aime pas jouer avec ces machines-là. Eh bien, allez! C'est que je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Et c'est comme ça qu'arrivent les accidents. Ce n'est pas dangereux, au moins. Comment fait s'y prendre? Non, parbleu! Avec ça, il est rassurant. Il n'a pas l'air de s'y connaître plus que moi. Eh bien, voilà. Approchez-vous, monsieur le proviseur. Au moins, s'il arrive quelque chose, ça soit là. Vous voyez ce liquide-là. Et puis cet autre-là. Quand on les met ensemble,
Nous allons voir ce que ça fait. Vous allez voir ce que ça fait. Faites bien attention. Ah, voilà. J'en étais sûr. C'est stupide, ces choses-là. Aussi, vous êtes une maladresse. Alors, montre sa boulot qui s'impatiente là-bas. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Nous sommes trompés. Il y a quelqu'un dans un là-dedans. Sortez, monsieur. Ne me tirez dans le poignet. On a des appuis qui déshabillés. Sortez, mon André. Allez, mon André. Qui êtes-vous? Qui les est venu? Mais laisse-moi. Pendant que mon pantalon séchait, je me suis endormi. J'en soutiens une explosion épouvantable. Et que venez-vous faire ici? Et je viens faire cour à ces demoiselles. Vous l'entendez? Il vient faire la cour à ces demoiselles. Chassez-le, monsieur le proviseur. Hein? Le pseudo-notaire? L'entouclé de cette maison? Mais c'est lui qu'il faut chasser! Me chassez moi? Chassez monsieur Saboulot? Mais Saboulot, c'est moi! Lui, c'est Apollon Beauvoir, un galantin qui vient pour enlever cette demoiselle. Eh bien, oui. Là, c'est vrai, je suis Apollon Beauvoir. Et après? Quel otage veut faire mettre à la porte? À la porte? Lui, faudrait voir ça! Au cerceau! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que vous êtes nos prisonniers. Une révolte! Et maintenant? Oui, monsieur Apollon Beauvoir. Et je pars avec lui. Vous pourrez le dire si on vous le demande.
venir, piano. Penchez plus la tête. Les yeux levés vers le ciel, dans l'attitude d'imploration. Bien. Titillez de la narine. Stylez-les comme cela. Faites-moi bien ressemblant. Mais oui. Et c'est ces frimousses-là qui plaisent aux femmes. Faites quelque chose de joli. Mais vous m'en demandez trop. Je ne peux pas et vous faire ressemblant et faire quelque chose de joli. Eh bien, vous êtes aimable, vous. À la colle ! Madame la régisseuse. Allez voir vos girandoles là-bas. Elles ne sont pas allumées. Et puis, vos affiches pour les débuts de Mademoiselle Satinette, il n'y en a pas à l'entrée. Madame n'avait pas dit. Eh bien, je vous le dis. Je ne veux pas encore avoir des ennuis avec Mademoiselle Satinette, n'est-ce pas? Vous allez me faire le plaisir de l'afficher dehors. De quoi? De l'afficher dehors. Elle? Bah oui, elle. Ah bien, en voilà des conditions agréables. Dieu, que je voudrais que cette soirée soit finie. Finette m'attend dans mon atelier. Voilà à peine une heure qu'elle est là-bas et j'en commence à être très embarrassé. Ce que je n'avais pas mesuré, tout d'abord, c'est l'importance de mon équipée. Vous pensez bien. Vous dites Non, je parle tout seul. Lorsque je dessine des choses qui ne m'intéressent pas, je cause tout seul pour passer le temps. Je vous demande pardon de me mêler à la conversation. Tenez, voici votre portrait. Monsieur qui dessine. Toi, tout Bouvard. Auprès de qui mon client s'est arrêté pour mener mon voix. Pardon, monsieur. Le notaire. Fichtre, qu'est-ce qu'il vient faire? Eh, c'est bon du tréteau. Carlin, vous êtes donc à Paris? Mais oui, je viens d'acheter une charge. Ah, moi je viens de faire la mienne. Tenez, faites-en autant. Moi, mais... Allez donc, c'est moi qui paie. Vous allez croquer, monsieur. Oh, pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas. Mon Dieu. Ah, monsieur le notaire, c'est comme ça que vous venez vous perdre dans ces endroits de plaisir. Mais non du tout. Je suis à mission délicate. Je suis à la recherche de quelqu'un, d'un peintre nommé Bouvard. À ma recherche? Lui, le notaire à Bichu? Oh non, ils l'ont mis à mes trousses. Monsieur, ne serait pas par hasard ce monsieur Bouvard? Non. Jamais de la vie. Bouvard, il n'est plus là. Il est parti. Je suis son remplaçant. Comment, vraiment? Ah, tant pis, c'est dommage. Je dirais ça à Arthur Cornet. Eh bien, comment c'est la cibote de monsieur? Voilà. Ouh. Bon. Penchez plus la tête. Les yeux levés vers le ciel, dans l'attitude d'imploration. Bien. Un demi-sourire intelligent? Non, plus intelligent que ça encore. Mais non!
J'ai pas dit plus bête, j'ai dit plus intelligent. Ah, vous ne pouvez pas? Bon, restez comme ça. Seulement, titiller de la narine. Il a encore plus d'éclotes. Voyons, j'ai fait le tour du jardin de Paris et personne. C'est assez curieux cette dépêche que je reçois. Venez ce soir au jardin de Paris. Vous ne perdrez pas votre soirée. Signé une dame voilée. Et pas de nom. C'est évidemment une dépêche anonyme. Une dame voilée. Ce ne peut être que pour me parler de Finette. À moins que ce ne soit une aventure. Attendez donc. Apollon Bouvard. Apollon Bouvard, qu'est-ce qui chante? Bouvard? Bouvard? Bouvard! Oui, c'est bien ça! Bouvard. Ah, mon cher, une histoire étonnante! Vous savez que je suis maître d'études. Oui. Ne répondez pas oui. Ça vous fait une grimace qui change la physionomie. Lorsque vous voulez répondre oui, dites non, ça ne se voit pas. Je suis maître d'études au lycée Marmontel. Un lycée de jeunes filles. Or, voici le scandale qui s'est passé aujourd'hui même à Marmontel. Une jeune fille avait été mise au lycée parce qu'elle avait refusé un bonhomme qu'on voulait lui faire épouser. Non. Comment ça, non? Je vous dis que si. Non, je dis non pour dire oui à cause de la physionomie. Eh bien, il y a d'autres mots. Si vous dites non pour oui, il n'y a plus moyen de s'entendre. Dites un mot qui ne dit rien. Chapeau, par exemple. Chapeau, c'est ça. Mais continuez donc. Trop aimable. Alors, voulez-vous savoir ce qu'a fait la jeune fille aujourd'hui même? Chapeau, chapeau. Hein, quoi chapeau? Ah oui. Eh bien, elle a fait conspiration. Soulever le lycée et s'est fait bel et bien enlever par son amoureux. Alors? Vous voyez d'ici le scandale. Chapeau, chapeau. Enfin, je ne sais pas ce qui va en résulter. Mais je conseille au bonhomme, un nommé Bouvard, je crois bien, de ne pas se faire pincer. Ah, mon Dieu, je suis dans des poudres. Tenez, voici votre portrait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'est pas moi. Ça ressemble à Monsieur Castex. Mais oui, mais avouez que c'est bien lui. Je ne vous dis pas le contraire. Mais enfin, vous garantissez la ressemblance. Mais parfaitement, mais je ne dis pas avec qui. Pour le prix, encore heureux que ça ressemble à quelqu'un. Ah, Apollon, je te retrouve. C'est toi? Malheureuse, que viens-tu faire? Ah, c'est un coup d'audace, une inspiration que j'ai eue. J'ai écrit à sa boulot. Toi? Oui, une lettre anonyme, signée une dame voilée, lui donnant rendez-vous ici. Et pourquoi faire? Comment pourquoi faire? Pour qu'il renonce une bonne fois à moi. Tu comprends que quand il m'aura vu ici... Eh ben, il est joli ton idée. Mais alors moi, est-ce que je pourrais t'épouser? Oh, mais toi, tu es artiste. Tu n'es pas universitaire. Hein. T'as des vues larges. Et puis, tu sais que tu n'as pas douté de moi. C'est de la folie, Finette. Vois-tu, nous avons pris une fausse route. Crois-moi, je vais te le dire. Rentre au lycée, Finette, rentre au lycée. Hein? Au lycée? Oh, bien, tu es bien bon. Il n'y a pas de... Tu es bien bon. Je te l'ai dit gentiment, tu rentres au lycée. Moi? Jamais de la vie. Je suis ici, Saboulot va venir. L'occasion est exceptionnelle. Mais qu'est-ce... J'en profite. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en sais rien, mais le ciel m'inspirera. Vous n'avez pas vu l'employé? Non, madame. Asseyez-vous. Ah, eh bien, avez-vous fait ce que je vous ai demandé? Oui, je l'ai fait, madame. Mademoiselle Sapinet était venue tout à l'heure et je l'ai fichée à la porte. Elle a été furieuse. Elle a dit qu'elle avait du papier timbré. Comment? Imbécile, vous l'avez renvoyée? Mais vous êtes folle! J'ai dit de l'afficher dehors, de la mettre sur l'affiche! Quel bus? Courez! Tâchez de la retrouver! Oui, madame.
ne savent pas ce qu'ils veulent. Oh, la crétine! Ah, monsieur Bouvard, je suis dans de beaux bras. Je vais être obligée de mettre une bande sur l'affiche. Ce début qui est annoncé depuis si longtemps, quel effet cela va faire? Mais le voilà, mon moyen! Quoi? Tu ne diras pas que ce n'est pas le ciel qui l'envoie, celui-là. Madame, ne changez rien. Ne mettez pas de bande sur l'affiche. Il vous faut une mademoiselle Satinette. Je serai cette Satinette. Toi? Vous? Bah, que faut-il faire? Chanter, je m'en charge. Mais toi, monter sur l'estrade? Mais tu n'y penses pas. Monter sur les planches? Où est le mal? Es-tu artiste, oui ou non? Enfin, peux-tu m'obtenir autrement? Non. Alors, contente-toi de savoir que je suis une honnête fille et que je travaille pour notre bonheur. Mais c'est seulement ce que tu vas être obligée de leur chanter. Mais des choses comme ça? J'ai ce qu'il faut. Une chanson que chante la cuisinière à maman. Ainsi. Allons, venez! Mais non, Finette, c'est ta folie. Tu verras pas ça. Pardon, monsieur. Sablon, oui. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'il raconte? Je voulais vous demander si vous n'auriez pas vu une dame voilée qui a l'air de chercher un jeune homme. Non, j'ai pas vu. Figurez-vous que vous souffrez des dents? Oh, je connais ça. Figurez-vous que c'est bien drôle. Parfaitement, monsieur. Mais pour les choses drôles, adressez-vous à Dieu. Tenez, le monsieur là-bas. Oh, je serai bien la dissuader. Ah, c'est lui qui a chargé? Je vous demande pardon. Il y a un monsieur spécialement. Comme c'est monté ce jardin de Paris. Bonjour, monsieur. Ne vous dérangez pas. Il paraît que c'est vous que ça regarde. Eh bien, voilà. Figurez-vous que je reçois un billet ainsi conçu. Venez ce soir au jardin de Paris. Vous ne perdrez pas votre soirée. Signé une dame voilée. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Non mais, laissez donc. Garçon, une chartreuse. Voilà, monsieur. Oh! Mais il m'ennuie, c'est ok! Eh bien, pas aimable le monsieur aux choses drôles! Dites-moi donc, garçon, pourquoi tout ce monde? C'est pour madame la députée qui va chanter dans un instant. Ah! Les sabolos! Ah! Le notaire! Monsieur Griffon! Non, pas vrai! Carin, c'est juste. Je suis heureux de vous rencontrer pour vous faire mes excuses sur l'inqualifiable méprise du contrat. Mais prenez donc place à ma table. Oh mon Dieu, j'ai beau faire, elle n'a rien voulu écouter. Elle va chanter. Oh, mes jambes flageolent. Et le
que je disais. Et ce scélérat d'Apollon Bouvard avec elle. Comment? Apollon Bouvard, vous dites? Elle, c'est elle. Elle en est arrivée à chanter sur des tréteaux de café-concert. Ce dernier goût comble la mesure. C'est fini, j'y renonce. Elle s'est assez moquée de moi. Qu'elle bouge son Bouvard si elle le veut. Monsieur, vous oubliez la consommation. C'est juste. Combien? 20 francs 50 centimes. Comment? 20 francs 50 centimes? Eh bien oui, c'est comme ça. Et votre cigare, 1 franc. Mais il est à moi, ce cigare. Ah, pardon. Alors ce n'est pas 20 francs 50 centimes, c'est 20 francs, monsieur. Eh bien, je la retiens, votre maison. Vous dites 20 francs, tenez. Ah oui, gardez le reste pour vous. Eh bien, as-tu demandé où on le trouverait, ce Bouvard? Non. Qu'est-ce que tu attends? Demande au contrôle! J'y vais gratter. Saboulot, c'est le ciel qui l'envoie. Monsieur Saboulot! Ma femme volée. La voilà donc, la vengeance. Eh, petite gamine, va. Ah mon Dieu, ah, il est fou. Ah, qui qu'il est? La petite femme à son coucou. Ça boule, voyons. Madame Bichu, j'ai la perlue. Ah ça? Monsieur, est-ce que vous me prenez pour une horizontale? Oh, croyez bien. Me voilà. Monsieur Saboulot. Madame, et j'allais justement, à mon grand regret, vous rendre votre parole. Comment? Vous comprenez que je ne puisse plus songer à épouser une personne qui se compromet avec un autre et qui se donne en spectacle dans un jardin public. Qu'est-ce que vous dites? Si vous étiez arrivée plus tôt, madame, vous auriez entendu votre fille chanter sur cette estrade le conseil de révision. Ma fille! M'a fait chanter! Allons bon, c'est pas le moment! Mais où donc le notaire a-t-il amené Apollon? Papa, maman? Maman, papa? Misérable enfant! Détestable fille! Toi, ici? Tu es la honte de ta famille! Mais qui voudra de maintenant? Qui voudra de toi maintenant? Monsieur Saboulot vient de nous rendre notre parole. Oh, il a fait ça! Oh, merci, monsieur Saboulot! Hein? Il n'y a pas de quoi! Mais qui voudra t'épouser? Mais moi! Apollon Bouvard? Boule de bagne! L'échafaud! Non. Non. Je ne suis plus le petit peintre que vous connaissez. J'ai la chance de vendre mes tableaux au poids d'or. Vous, depuis quand? Mais depuis aujourd'hui. Me voilà à côté. J'avais un tableau. Un tableau dont tout le monde me refusait 200 francs. Alors j'ai une idée de génie. J'en ai demandé 30 000 et on l'a acheté tout de suite. 30 000 francs? Alors donc! C'est même un monotélieu que monsieur aura allé toucher. Ça peut donc gagner de l'argent, un peintre. Monsieur Bichu, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille, que j'aime. Et qui vous le rend bien. Que dites-vous? Que voulez-vous? Vous avez des arguments sans réplique. Ah, oh, Finette! Ah, Apollon! Sujet de pendule, va! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le feu d'artifice qui commence. Là, c'est le bouquet! Chut, 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 il n'est pas qu'un malheur, mais tu
merci à tous pour le travail que vous avez fourni pendant toute l'année et ce soir en particulier. Nous sommes très fiers de vous. Voilà. J'espère que tout le monde a passé une bonne soirée, que vous avez aimé ce spectacle. Voilà. Alors, cette année, nous avons travaillé avec l'option musique qui est dirigée par Madame Poulon. Voilà. Françoise, hein, qui nous a accompagné au piano toute la soirée. Alors, comme tous les ans, nous avons travaillé avec Fred Claude, qui nous a encadré un petit peu, hein, qui a fait deux stages et qui est venu nous aider aujourd'hui, Fred. Un petit peu différente des autres années, hein, puisque avec le Covid, tout est un peu plus compliqué. Donc je tiens à remercier aussi Monsieur Salvan et Madame Chaloupi, qui nous ont accompagnés vraiment jusqu'au bout et qui nous ont permis de travailler avec ces élèves. Et je remercie aussi le ministère de la Santé qui nous a permis de jouer ce soir sans masque. Donc c'était vraiment important pour nous et voilà, ça, on a réussi, donc c'était vraiment bien. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière chose, je remercie les parents de nous avoir prêté leurs enfants. Voilà. Et d'avoir aussi leurs enfants participer à cette aventure. Alors, je remercie aussi Joseph et David, les techniciens. Qui permet aux personnes qui n'ont pas pu venir à la fin de la journée. Bon, vous avez pu voir comment la troupe était très 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 fournie cette année, hein, entre les 24 élèves de la Pé-Théâtre et les 11 de l'option musique. Donc, vous allez patienter, on va vous les présenter les uns après les autres. Donc, on va commencer par les comédiens de la Pé-Théâtre. Alors, je vais prier tout d'abord les finettes d'approcher en avant-scène. Voilà, alors... Alors, dans le rôle de Finette, Laïa. Thank you.
dans le rôle du couple bichu. Kérim et Hector. Dans le rôle du poète Alexandrin. Alexandrou, bien-aimé. Dans le rôle de notre petit notaire timide, Monsieur Carlin. Adrien. Les lycéennes, approchez, s'il vous plaît. Soyez patients. Et vous devez sortir, vous descendez.